Tu vois que c'est là, et puis là, ben, je dis des. Bon, Bon, ouais, ben voilà. ça marche Alors, bien. ah oui, Ça fonctionne ça bien. c'est bon. C'est bon. C'est bon, d'accord. Bon, ben alors voilà, on a la chance d'avoir François Bergeron, qui est Merci. en ce moment hors sais. Ouais. Et puis sinon, vous êtes au À Canada. l'Université du Québec à Montréal. À Montréal. Voilà. Très bien. Et donc, c'est les algèbres de Hall elliptiques. Oui. Et la combinatoire rectangulaire, voilà. Voilà. Alors, donc je vais. Excusez-moi si au début c'est un peu élémentaire. Si c'est pas assez élémentaire, vous êtes. Je vous encourage à poser toutes les questions que vous voulez. Alors, il y a une interaction vraiment très intéressante entre ce que j'aime appeler la combinatoire rectangulaire, vous allez voir pourquoi un peu plus tard, et l'algèbre de Hall elliptique, qui est une algèbre d'opérateurs sur les fonctions symétriques. Alors, ce sujet intervient dans toutes sortes de domaines. Peut-être que pour les physiciens, c'est les trois derniers picots qui sont peut-être les plus intéressants. En fait, dernièrement, presque tous les 2 ans, j'ai découvert de nouveaux liens avec de nouvelles choses. Par exemple, la théorie des nœuds est une addition pour moi assez récente, tandis que les 4 picots du haut sont des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps. Alors, donc il y a l'algèbre de Hall elliptique qui est un de nos 2 protagonistes, et c'est une algèbre d'opérateurs, si vous voulez, de création et d'annihilation. Je vais clarifier un peu plus tard, mais sur les fonctions symétriques. Alors, j'ai cru bon de rappeler quelques trucs sur les fonctions symétriques. Et puis, c'est là que si c'est trop élémentaire, vous me poussez dans le dos pour que j'accélère, ou à l'inverse, ralentissez. Alors, c'est des rappels, mais on met toujours ça pour pas avoir l'air idiot, parce qu'on parle de trucs. Quand même. Alors, il y a l'anneau lambda des polynômes symétriques. Alors, pourquoi je dis fonction symétrique? C'est que dans les polynômes, c'est beaucoup plus simple de mettre une infinité de variables plutôt qu'un nombre fini. Toutes les formules sont plus faciles à travailler à une infinité de variables. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et parce qu'il y a une infinité de variables, on préfère utiliser le mot fonction, mais c'est des polynômes. Il y a l'anneau des polynômes à n variables, ou non, plutôt k variables, parce que n est un autre rôle ici. Et puis pour chaque degré, il y a les polynômes de degré n, où tous les termes sont de degré n. Alors, ça, c'est la composante de degré n. Alors, l'anneau en question se décompose en diverses composantes de degré n. Et puis, pour décrire la composante de degré n, on a besoin de parler de. Alors, au Québec, on aime bien dire partage plutôt que partition, partage d'entier plutôt que integer partition. Alors, parce qu'en anglais, ils ont un seul mot, partition, et puis ils confondent. En français, on peut dire. Donc, un partage d'un entier n, c'est écrire l'entier n comme une somme d'entiers qui vont en décroissant, tous non nuls. Mu est un partage de n. Je vais écrire ça comme ça. Mu est un partage de n, c'est un symbole de logique. Comme on n'a pas besoin de logique dans l'exposé ici, alors on peut écrire comme ça. Et puis, les bases classes, la base la plus simple de l'anneau des polynômes ou de l'anneau des polynômes ou fonctions symétriques, ce sont les polynômes monomiaux. On choisit une liste d'exposants mu1, mu2 jusqu'à mu k. Alors ça c'est mu l'indice ici. Et puis on considère tous les monomes qui ont cette description-là. Donc
pour tous les choix possibles de variables distinctes, z machin, z truc, etc. On met la liste d'exposants correspondants. Alors ça, c'est la base des fonctions symétriques monomiales. Ensuite, si on additionne tous les monomes possibles d'un degré donné, on donne le nom de fonction homogène complète. Souvent, on dit seulement homogène, mais tout est homogène ici. Et puis, il y a les polynômes de Schur. Alors, les polynômes de Schur, ça, c'est vraiment fascinant. Ils vont jouer un rôle important dans toute notre histoire. Là, j'ai donné une des descriptions possibles comme un déterminant de ces polynômes-là. Alors, on parle des monomiaux, on définit les homogènes, on fait des déterminants comme ça, associés au partage mu. Alors ça fait les polynômes de Schur. Et j'aime dire à mes étudiants, répétez pas, hein, la caméra, il ne faut pas répéter, j'aime dire à mes étudiants que si sur une autre planète, il y a des mathématiciens ou des physiciens qui travaillent avec, qui font des maths, hein, ils connaissent les fonctions de Schur. Mais les autres, peut-être pas. C'est une question de choix, de goût. Mais les fonctions de Schur, ça c'est universel. Hein, c'est vraiment. Et puis, parfois, y a les fonctions symétriques élémentaires où on considère les monomes comme ça, où tous les exposants sont 1. Alors ça, c'est En. Et puis, peut-être le plus simple à décrire, c'est les sommes de puissance, où on met... j'ai changé de variable ici. Alors ici, c'était les Z, là, c'est les X. C'est la somme des puissances données par l'indice D des variables qu'on considère. Alors, dans cette description-là, vous avez peut-être remarqué que parfois, je parle de trucs dont les indices sont des partages, comme pour le premier et le troisième, et d'autres fois, les indices sont un seul entier. Alors, pour clarifier un peu la situation, je vais dire que ce qui nous intéresse, c'est des bases de la composante homogène de degré n de l'anneau des polynômes symétriques. Et ces bases sont indexées par les partages de n. Donc, la dimension... Alors là, il faut faire attention parce que si on a un nombre fini de variables, c'est là que la difficulté arrive parce que il faut considérer des partages qui contiennent au plus le nombre de parts qu'il y a dans le partage est au plus égal au nombre de variables qu'on a. Ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'on met une infinité de variables, parce qu'après, on peut oublier les variables et tout devient beaucoup plus simple. Alors, quand on veut manipuler les fonctions symétriques sur un ordinateur, c'est mieux de mettre une infinité de variables, j'aime ça dire ça, parce que tout est plus simple pour l'ordinateur. Et l'ordinateur aime l'infini. Ah, c'est génial. Et puis, alors les fonctions homogènes complètes se construisent avec les morceaux qu'on avait sur le transparent précédent en multipliant les h de chacune des parts du partage. Alors, s'il y avait plusieurs parts, on fait le produit. Les élémentaires indexés par un partage, c'est pareil. Et les sommes de puissance aussi. Alors, il y a ces trois bases-là qu'on appelle multiplicatives parce qu'elles ont cette description-là. Puis la base des monomiales n'est pas du tout multiplicative. Elle est construite d'une façon un peu indécomposable pour la multiplication. Et il y a les Schur qui avaient été décrits sur la base dans le transparent précédent, qui elle aussi est une base qui n'est pas multiplicative au sens de ce qui est en bas ici. Alors, pour être certain qu'on se comprend, voilà, qu'est-ce qui arrive quand on met trois variables dans M2.1? Vous avez tous très bien compris, mais c'est juste pour être certain, comme ça, quoi. P2.1 est le produit de P2 avec P1. E2.1 est le produit de E2 avec E1. H2.1 est le produit de H2 avec H1.
H2, c'est la somme de tous les monomes possibles de degré 2, comparé ici aux élémentaires, où c'est la somme de tous les monomes qui n'ont qu'au plus des puissances égales à 1. Alors voilà, ça c'est les fonctions. Et puis il y a le polynôme de Schur, qui, calculé en 2,1, donne tous ces monomes qui étaient déjà dans M2,1, et puis plus deux fois le produit des variables, des trois variables qui apparaissent ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Signifie que, et c'est là qu'on oublie les variables, S2,1, c'est les monomes de type 2,1, plus deux fois les monomes de type 1,1,1. Et l'avantage de cette formule-ci, c'est qu'elle est valable pour quel que soit le nombre de jeux de variables que vous allez mettre. Si vous en mettez moins que nécessaire, il se peut que ce terme-là disparaisse, ou même ce terme-là disparaisse. Alors, s'il n'y a qu'une seule variable, c'est zéro. S'il y en a deux, il n'y aura que ce terme-là. On peut voir en haut. Et il faut trois variables pour que ce terme-là apparaisse. Puis ensuite, s'il y a plus de variables, cette identité-là demeure l'identité intéressante. Et puis après, on travaille comme ça, avec les polynômes symétriques. Alors, en polynôme symétrique, il y a un produit scalaire, peut-être je ne vais pas trop m'attarder, mais pour lequel, si vous voulez, ceci peut être considéré comme une définition. Les polynômes homogènes, produits scalaires avec les polynômes monomiaux, donnent 0 ou 1 selon que mu égale lambda ou mu soit différent de lambda. Alors, on dit que H mu est une base duale de la base M lambda. Et en général, les bases duales sont les couples de bases de l'anneau tel qu'on a cette propriété-là. Et pourquoi peut-être une des raisons pour lesquelles les polynômes de Schur sont universels, une des multiples raisons universellement connues, c'est qu'ils sont autoduaux. Donc, si j'avais mis les polynômes de Schur ici, ça aurait été les polynômes de Schur là. Donc, la base des polynômes de Schur est orthonormale. Alors, ça, c'est vraiment important dans l'histoire. Et puis, alors, pourquoi le produit scalaire était intéressant de le rappeler? C'est parce que il y a des opérateurs. Un opérateur simple sur les fonctions symétriques, c'est prendre une fonction symétrique fixée f et de multiplier toutes les fonctions symétriques par celle-là. Ça va faire d'autres fonctions symétriques. Bien, l'adjoint pour le produit scalaire joue un rôle important dans nos opérateurs qui pourraient faire de... Alors, la multiplication par f correspondrait, mettons, à quelque chose comme un opérateur de création, et puis l'adjoint, l'annihilation. C'est un produit scalaire réel? Alors, le corps sur lequel on travaille, de caractéristique zéro, c'est suffisant. Et puis, pour beaucoup de situations, c'est le cas réel qui nous intéresse. Mais le cas hermitien est pareil. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui! Alors, si vous voulez comprendre ce produit scalaire, cet opérateur adjoint, il y a une situation qui est plus facile que d'autres, c'est quand on prend les sommes de puissance. Et si on considère les diverses sommes de puissance comme des espèces de variables abstraites, eh bien, l'adjoint de la multiplication par pk, c'est la dérivée par rapport à pk, avec un petit facteur de correction. Donc, ça donne une façon facile de calculer, mais plus généralement, il y a d'autres opérateurs qui nous intéressent que celui-là. Bon, alors, je vous parlais de fonction de Schur. Dans le domaine qui nous... Dans beaucoup des questions qui nous intéressent,
Alors ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est important du point de vue de la physique, parce que je ne suis pas physicien, hein, vous aurez compris. Mais c'est la positivité quand on écrit les expressions dans la base des polynômes de Schur ou des fonctions de Schur. Alors la positivité de Schur est quelque chose de qui est omniprésent dans les situations qui nous intéressent. Alors on a l'impression que c'est toujours le cas. Mais je vais vous expliquer que c'est intéressant, mais en même temps que c'est très surprenant. Alors, on a un polynôme, une fonction symétrique f, et ce qui nous intéresse, c'est quand son développement dans la base des Schur, des coefficients positifs, où on aura aussi des coefficients. On posait la question, quel était le corps ou l'anneau sur lequel je travaillais. On va aussi travailler avec des situations où les coefficients sont des polynômes ou des fractions rationnelles en un paramètre q, et puis même qt. Alors, les coefficients vont être en général des nombres réels, si on veut, mais très souvent, ce sera des entiers positifs. Et ce qui nous intéresse, et ce sera même, dans d'autres cas, des polynômes à coefficients entiers positifs dans certains paramètres. Alors, dans tous les cas où on a des belles formules, des belles expressions, des phénomènes intéressants, on a des situations comme ça. Et d'où est-ce que ça vient? J'ai peut-être pas prévu d'écrire beaucoup pourquoi, mais ça vient de la théorie de la représentation des groupes. Et il y a des représentations et ces nombres, si ou comptent la multiplicité de représentations irréductibles, si on veut. Quand il y a un paramètre, c'est que ces représentations sont graduées, et puis on compte des multiplicités graduées. Alors, la positivité de Schur nous intéresse beaucoup. Et puis, c'est un phénomène qui est une fois qu'on a rencontré, demeure. Alors, c'est ce que j'ai essayé de décrire ici. Si vous avez deux fonctions symétriques qui sont positives, quand on les développe dans la base des Schur, il est clair que quand on les additionne, ça demeure positif. Le produit est moins clair, mais ça s'explique très bien avec la théorie de la représentation. Il y a des formules pour ça. Et puis, il y a d'autres opérations. Celle-là, je ne vous en parlerai pas, mais il y a celle-ci dont je vais vous parler dans un instant, qu'on appelle le plétisme. Alors, pour toutes les opérations intéressantes qui correspondent à des constructions de représentation, quand on est en théorie de la représentation, si on avait deux fonctions qui étaient Schur positives, alors la nouvelle expression est Schur positive. Donc, c'est un monde qui est fermé pour les opérations intéressantes. Par contre, rapidement, je voulais vous expliquer que la positivité de Schur est très surprenante en un certain sens. Alors, si je vous demandais de construire, si vous connaissez pas, si vous n'utilisez pas autre chose, je vous demande de construire une expression qui est Schur positive à partir d'expressions monomiales positives. Donc, vous avez les M de tout à l'heure, vous considérez n'importe quelle expression, vous choisissez les coefficients comme vous voulez, vous n'aurez jamais quelque chose qui est Schur positif. Vous n'allez pas réussir. C'est impossible. Il faut savoir ce qu'on fait, sinon on ne l'a pas. Alors, parmi les fonctions symétriques qui sont positives quand on les développe dans la base des monomiales, la base des monomiales, c'est un peu la base la plus simple. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait S21 est égal à M21 plus 2 fois M111. Alors, si je n'avais pas mis 2, est-ce que ça aurait été Schur positif? J'avais mis 7 à la place du 2, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça que... Donc, vous essayez de construire une fonction. Alors, on pige au hasard une fonction comme ça. Il y a une façon très précise de le faire, mais là, je vais être vague. Et puis, on regarde qu'est-ce qui se passe. Alors, on choisit le degré 1. Alors, si vous regardez parmi les fonctions symétriques de degré 1, vous pigez au hasard, elles sont toutes surpositives. Ça, ça va. Et puis, degré 2, ben, vous avez une chance sur 2 d'être positif. Degré 3, vous avez une chance sur 9. Pas trop mal. Degré 4, une chance sur 560. Degré 5, une chance sur 480 480. C'est pour ça que je vous dis que vous ne vous trouverez pas. Hein? Et puis degré 6, eh bien voilà, c'est un truc comme ça. Alors, c'est quoi ce nom? Merci. C'est... on a un théorème que j'ai fait avec deux, Vic Reiner et Rebecca Patrias, qui dit que la probabilité en question est exactement donnée par la formule suivante. Alors, la formule, c'est 1 sur le produit des sommes des lignes d'une certaine matrice. Alors, la matrice, hop, on a une craie. Ah, là, oui, parfait. J'ai trouvé. Alors, quand on prend les polynômes de Schur, qu'est-ce que je veux? Ouais, mu. Et puis que je le développe dans la base des monomiales, vous avez vu tout à l'heure, il y avait M21 et 2 fois M111. Il y a des coefficients, donc lambda partage de n, mu était au départ déjà un partage de n. Alors, il y a des coefficients, k lambda mu, m lambda. Ah, c'est bon, comme ça. Alors, donc ça, c'est la matrice qui exprime le changement de base entre les Schur et les monomiales. Alors, vous prenez cette matrice et vous additionnez les valeurs qui sont... C'est toujours des entiers positifs. On a même une façon très claire de décrire quels sont ces entiers. Et vous prenez la somme de ces entiers sur les lignes et puis vous multipliez les nombres que vous obtenez. Alors ça fait... 1 sur ça, c'est la probabilité. Puis on connaît ces nombres-là, donc on peut calculer cette probabilité-là précisément. Alors, le théorème n'est pas difficile, n'est pas très difficile à démontrer. Mais ce que j'aime là-dedans, et puis il y a plein d'autres situations où on peut faire ça, c'est de dire, vous avez ce truc qu'on étudie, puis on se demande, est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on est capable de dénoncer quelque chose qui dit, voilà, ce phénomène est surprenant parmi les formules qu'on obtient? Alors, j'ai pensé à faire ce théorème parce que je voulais pouvoir exprimer, quand on fait une conférence, c'est-à-dire le phénomène que vous devriez être surpris si vous découvrez quelque chose qui est Schur positif. C'est tout, c'est une mesure de surprise. Et puis, donc c'est toujours une bonne surprise quand on découvre que quelque chose est Schur positif. Voilà. C'est une suite remarquable par ailleurs, est-ce que c'est une suite des dénominateurs? Ah! Est-ce que c'est une suite classique? Non, pas du tout. Non. C'est super exponentiel, mais je ne l'ai pas vu dans le Online Encyclopedia of Integer Sequences. C'est toujours mon réflexe quand il y a une suite qui apparaît, hein, d'aller voir. Ah oui, 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 il y a plein, ça grimpe. Mais je n'ai pas de formule meilleure que celle-là. On peut montrer qu'il y a des gros factoriels qui sont dedans, là, mais quelque chose comme ça. Bon. Alors, l'opération tout à l'heure sur les fonctions symétriques qui était notée rond, je vais en parler un peu plus, c'est ce qu'on appelle le pléthisme. Alors, le pléthisme est très intéressant parce qu'il permet de construire des formules qui ont l'air horribles autrement. Et là j'en ai vu souvent. Hein, quand je regarde
de temps à autre, j'essaie de comprendre des articles de physique où on parle de sujets comme les polynômes de McDonald ou les polynômes symétriques. Et puis, je vois plein de formules. Et la plupart pourraient s'écrire beaucoup plus simplement si les gens connaissaient le plétisme. Mais comme ils ne connaissent pas, ils écrivent des expressions qui sont... Alors, nous, on a une bonne technologie pour faire ça. Donc, le plétisme. Alors, comment il faut comprendre le plétisme? L'approche que je vais donner, c'est de considérer que les fonctions symétriques sont des opérateurs. Donc, chaque fonction symétrique va être considérée comme un opérateur sur une expression rationnelle. Je reste vague sur quelle est l'expression rationnelle. Vous allez voir, tellement vague que je vais remplacer l'expression rationnelle par un nuage. Alors, donc voilà toutes les règles pour calculer le plétisme. Tout est là. Sur ce transparent, vous avez tout. Alors, il faut que je vous explique un peu. Alors, G, F et G sont des fonctions symétriques que je considère un peu abstraitement. Hein, comme tout à l'heure, je ne mets pas les variables. Je dis S de 1. M de 1, c'est comme... Ah, voilà. Et puis, je veux appliquer ces opérateurs sur des expressions. Alors, nuage, ici, représente n'importe quelle expression avec peut-être même plus que rationnel. Puis je pourrais avoir des exponentielles là-dedans. C'est une expression. Dans certaines variables que... Alors, ça, on va s'expliquer. Je vais vraiment être clair là-dessus. Alors, dans le nuage, il y a une expression, et dans cette expression-là, il y a des variables. Voilà. Maintenant, alors, les règles sur les opérateurs comme tels est que la somme de deux opérateurs, c'est la somme. Le produit d'opérateurs, c'est le produit. Vous pourriez même avoir ici une soustraction, ce serait la soustraction. Et évidemment, si l'opérateur est une constante, ça envoie sur cette constante. Je ne l'ai pas écrit. Toute fonction symétrique avec ce qui est à gauche là, je peux ramener tous les calculs au calcul sur une unique fonction somme de puissance. Parce que toute fonction symétrique s'écrit comme une combinaison linéaire de produits de somme de puissance. Je vous ai dit tout à l'heure que une des bases, c'était les sommes de puissance. Alors, c'est ce qu'on fait. On prend tout, on exprime tout dans la base des sommes de puissance. Et puis, maintenant, pour les sommes de puissance, il y a des règles simples. Alors, si vous avez une somme de puissance appliquée à un produit, ou un quotient, ou une série, c'est appliqué à chaque terme. Donc, parce que j'ai les règles suivantes, une somme de puissance appliquée à un produit, c'est le produit d'application de somme de puissance. Produit appliqué à un quotient, c'est le quotient. À une somme ou une soustraction de deux expressions, c'est... Et ceci passe aux sommes infinies, aux produits infinis aussi, si vous voulez. Donc, quand on a PK appliqué à une expression, c'est très simple. PK s'introduit à l'intérieur de l'expression jusqu'aux variables. OK? Alors, maintenant, quand on tombe sur une variable, n'importe laquelle, qu'est-ce que PK fait? C'est tout simple, c'est qu'elle élève cette variable à la puissance K. Autrement dit, vous me donnez une expression compliquée, j'applique PK comme opérateur, partout dans l'expression, toutes les variables que je vois, je les élève à la puissance K. C'est tout ce que ça dit. Voilà, c'est ça, le plétisme. Sauf que, si j'ai des constantes, alors parfois on écrit N dans une expression, mais on sait très bien que le N qui est là, c'est une constante. Ce n'est pas une variable. Alors là, il faut qu'on soit prudent et puis qu'on dise toujours ceci est une variable, ceci est une constante quand on fait le calcul de plétisme. Et quand c'est une constante, il ne touche pas. Voilà. Si j'ai PK
cas de constantes fois variables à des constantes fois variables exposant K. Hein? Alors, donc, si vous oubliez tout le reste de ma conférence, au moins, ça vaut la peine de se souvenir de ça. C'est vraiment très intéressant. Beaucoup des formules que vous connaissez, vous pouvez les réécrire avec des opérateurs fonctions symétriques appliqués à des expressions compliquées. Vous avez... et c'est vraiment efficace pour faire des calculs. Ah, il faut s'habituer, il faut connaître le reste des machins, mais... Donc, je résume. Vous prenez une fonction symétrique, vous la développez dans la base des sommes de puissance, les coefficients sont ce qu'ils sont, et puis, maintenant, si vous voulez appliquer la fonction symétrique à n'importe quelle expression, ben, c'est appliquer les opérateurs à chaque opérateur P à l'expression venant de cette expression. Et puis, faire la somme. Alors, c'est souvent intéressant de penser qu'un jeu de variables, c'est une somme abstraite de variables. Au lieu de dire, j'ai des variables, x1, x2, x3, x1, ben, je dis, x est la somme abstraite de x1 plus x2 plus x3. La même chose que dire que x est un jeu de variables. Alors, quand j'ai des formules avec, je dis, j'aimerais écrire f de x1, x2, x3, etc., je peux écrire F crochet de une somme. Et ça va faire pareil. Alors, pour être sûr qu'on s'est bien compris, PK de X1, X2, blablabla, sur 1 moins Q fait ça. Toutes les variables sont élevées à la puissance K. Alors, on peut prendre, je vais écrire rond, mais c'est la même chose que crochet. Alors, quand j'écris F rond G, c'est la même chose que F crochet G. Mais ça, c'est quand toutes les deux expressions sont deux fonctions symétriques. Hein? Donc, je peux appliquer ce mécanisme d'une fonction symétrique comme opérateur sur une fonction symétrique comme expression. Alors, vous pouvez vous calculer ça, c'est pas simple pour des polynômes de Schur, mais vraiment très intéressant. Et il y a d'ailleurs une conjecture qui date qu'il y a 75 ans là-dessus, qu'on ne sait pas aujourd'hui encore vraiment complètement démontrer. Alors, je l'énoncerai peut-être plus tard. Alors, mais comment on peut calculer ça concrètement? Alors, 3-2, Schur 3-2, ben, je vais représenter ça par un diagramme comme ça, où il y a trois cases sur le premier niveau, puis deux cases sur le deuxième niveau. Ça, c'est 3-2. 2-1, voilà un paquet de petits 2-1 que je dispose à l'intérieur de mon 3-2. Ça, c'est, je suis en train de faire le calcul de ce qui est en haut. D'accord? Alors, maintenant, je vais développer cette expression dans la base des monomiales. Alors, si vous me demandez dans les Schur, là, j'ai du travail à faire, mais le théorème est que dans la base des Schur, c'est toujours positif. C'est toujours positif, cette expression-là. Ça, c'était le théorème que je mentionnais tout à l'heure. Hein? Non, ça, c'est un théorème. Et la conjecture, j'y reviens dans un instant. Alors, Maintenant, dans la base des monomiales, je peux vous donner une façon de faire ce calcul-là. Alors, vous me donnez un monôme. 6, 5, 2, 2. Vous voulez savoir... Alors, il faut réfléchir un peu. Ça, c'est un partage de 5. Ça, c'est un partage de 3. Quand je fais le calcul de ce plétisme, ces machins-là vont élever à la puissance 5, ou quelque chose comme ça, des expressions dans lesquelles il y a des variables de degré 3. Alors, ça donne quelque chose globalement de degré 15. OK? Alors, 6, si je ne me suis pas trompé, 6 plus 5 plus 2 plus 2, c'est de degré 15. Alors, pour chaque monôme de degré 15, j'aimerais savoir quelle est sa multiplicité dans cette expression.
Alors, ça, le coefficient, c'est un nombre entier positif. OK? Alors, qu'est-ce qui compte? Eh bien, pour le calculer, je lis 6, 5, 5, 2, 5, 2, 2. Je me donne 6 copies de 1, 5 copies de 2, 2 copies de 3 et 2 copies de 4. D'accord? Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre tous ces 1, tous ces 2, tous ces 3 et ces 4, et je vais les disposer dans le diagramme. Alors, comment je dois les placer dans le diagramme? Eh bien, dans chacun des petits diagrammes verts, les nombres doivent être comme suit, c'est que les valeurs des nombres doivent être faiblement croissantes le long des lignes et strictement croissantes dans les colonnes. Alors, donc ici, j'ai 3 plus petit que 4, 3 plus petit que 4, ça c'est bon. 1, j'ai le droit de répéter des valeurs sur une même ligne, mais dans les colonnes, ça doit monter. Alors, j'ai disposé les 6, 1 que j'avais, les 5, 2 que j'avais, les 2, 3 et les 2, 4, d'une des façons possibles, en respectant cette règle pour chacun des petits diagrammes verts. Mais, en plus, je veux le même genre de règle pour le grand diagramme, et ce que je veux, c'est que ce diagramme-là soit plus petit ou égal à ce diagramme-là, qui est plus petit ou égal à ce diagramme-là, et ce diagramme-là est strictement plus petit que celui-là, et ce diagramme-là est strictement plus petit que celui-là. Alors, en quel sens? Eh bien, vous allez lire les nombres qui sont ici. Vous lisez d'abord la première ligne, ensuite la deuxième et la troisième. Alors, ça fait 1, 1, 2. Ça fait 1, 1, 2. Ça fait 1, 2, 2. Et puis, vous allez obtenir des mots écrits avec les nombres. Et ce qu'on demande, c'est que ces mots-là soient lexicographiquement selon la règle que j'ai mentionnée. Alors voilà, vous savez calculer le plétisme de ça. Alors vous comptez combien de façons de faire ça avec les 6, 1, les 5, 2, les 2, 3 et les 2, 4, et vous obtenez le nombre 514. C'est facile, évidemment. Hein? Le code téléphonique à Montréal. Tu as quelqu'un qui sait que... Voilà. Dans Montréal, comme tel, en banlieue, c'est pas le même code. Donc, parfait. Donc, et puis, on fait ça pour tous les monomes, puis on sait calculer le plétisme. Évidemment, c'est très rapide. On fait... Non. Ça, vous peut-être... avez dit que les P, ils avaient une opération simple, les S... Une... Les S, donc, a quelque chose de compliqué. Alors, ou de plus compliqué. Donc... Alors, la conjecture qui est toujours ouverte, c'est que si vous prenez A plus petit que B et que vous calculez S, B, S, A moins S, A, S, B, alors la conjecture est que ça, c'est toujours toujours positif. Alors ça, c'est dû à Fuchs. Et je me souviens, je pense que c'est à peu près 1950. Alors, la conjecture de Fuchs est toujours ouverte. Et puis, au cas où vous... S1 est relié à faire ce qu'on appelle le produit extérieur symétrique d'une représentation ou d'un espace vectoriel, si on veut. Et ce machin-là correspond à dire, je fais la puissance symétrique BIM de la puissance symétrique IM. Et ça dit, je fais la puissance symétrique IM de la puissance symétrique BIM. Et... il y a une inclusion, on ne sait pas montrer comment ça marche. Alors, on sait le faire quand B est assez grand par rapport à A. Ça a été démontré par Michel Brion. Et puis, il y a d'autres trucs qu'on sait là-dessus, mais c'est vraiment fascinant. Et c'est une question qu'on ne sait toujours pas résoudre.
Voilà, ça c'était la conjecture dont je parlais tout à l'heure. Dans les termes de ce que tu nous as décrit là, c'est juste... C'est juste une ligne de ligne. OK. Et puis, alors, mais là, je vous décris comment le faire à monomial. C'est chaud positif, hein, c'est ça qui est le truc. Bon. Alors, le plétisme apparaît dans tout un paquet de domaines. Il y a des trucs que je connais bien, puis d'autres que je connais moins bien, c'est normal. Mais il y a vraiment c'est une situation vraiment fascinante, une opération vraiment fascinante. Bon, alors, plétisme, ça c'était... Alors maintenant, je vais passer à une autre base des polynômes symétriques, qui est la base des polynômes de McDonald. Alors, McDonald a introduit ces polynômes à peu près 1988. Ça, c'est un article dans les actes du séminaire lotharingien. Et donc, en 88, il a introduit ces fonctions symétriques. Et généralise à peu près toutes les fonctions symétriques qu'on connaissait à l'époque, les polynômes de Jack, de Hall-Littlewood, de Schur, et contient à peu près toutes les fonctions symétriques cachées d'une façon ou d'une autre à l'intérieur. Alors, c'est fascinant. Et les coefficients sont des fractions rationnelles en QT. Il y a deux paramètres. Alors, quand on spécialise les paramètres correctement, on obtient les fonctions symétriques classiques. Au cas où vous connaissiez, parce que je sais que dans la communauté de la physique théorique, les polynômes de Whittaker sont des cas spéciaux qu'on obtient comme ça. Alors, les polynômes de McDonald sont fascinants comme ça. Et à un moment donné, je discute avec un copain physicien théorique à Montréal qui travaillait, et il me dit, je lui demande poliment ce sur quoi il travaillait en me disant, je ne viens rien comprendre. Quand il va me répondre. Et puis, il me dit, je travaille sur les polynômes de McDonald. Là, j'ai été vraiment très surpris. Puis, il m'a expliqué pourquoi. Alors, ça, c'est dans le modèle de Calogero-Sutherland d'interaction de n particules sur un cercle. Et puis, il a expliqué que les polynômes de McDonald apparaissaient comme fonction propre de l'opérateur quand on fait la méthode classique de séparation de variables. Alors, c'est un cas de... l'équation de Schrödinger. J'ai pris la peine de prendre une photo de moi avec Schrödinger à l'Université de Vienne. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais dans une espèce de cour intérieure, il y a des bustes de tout un paquet de gens célèbres rattachés à l'université. Alors, j'ai demandé à un collègue de prendre une photo de moi avec Schrödinger parce que, voilà. Et puis, vous reconnaissez peut-être ici quelque chose d'intéressant, mais... Donc, les polynômes de McDonald, nous, il y a une version renormalisée qui est vraiment fascinante pour nous. Je vous les montre rapidement. Je vais pas vraiment... Je vais vous donner une définition tout à l'heure, d'une façon un peu indirecte. Mais quand on les développe dans les polynômes de Schur, la version renormalisée, ça, c'est pas la version originale de McDonald, mais c'est équivalent avec une espèce de changement de variable. S'écrit de façon extraordinaire comme combinaison linéaire des polynômes de Schur avec des coefficients qui sont des polynômes en les paramètres QT et eux-mêmes à coefficients entiers positifs. Alors, ça, c'est le point de départ de pourquoi la communauté de la combinatoire algébrique s'est intéressée à ce sujet. Donc, je vous raconte maintenant, parce qu'on voulait expliquer qu'est-ce que c'est ça. Et ça a pris pas mal de temps avant qu'on comprenne. Il y avait des conjectures, mais pour démontrer les conjectures, ça a pris une quinzaine d'années et pas mal de travail. Alors, les polynômes de McDonald, donc pour l'instant, c'est une boîte noire. Hein? Je ne vous ai pas dit comment ça marche, mais ils sont jolis. Donc, ils sont là. Tout à l'heure, on va voir pourquoi. Alors, peut-être une façon de les décrire, c'est de travailler en termes d'opérateurs. Et alors, il y a des opérateurs qu'on aime appeler opérateurs propres
Je ne sais pas si vous avez... Alors, il y a valeur propre, fonction propre et opérateur propre. Alors, l'idée, c'est que... Mais vous faites ça déjà. Alors, vous avez une famille de fonctions qui vous intéresse et ils ont la propriété que toutes ces fonctions sont des fonctions propres de certains opérateurs. Alors nous, on s'est dit, on va les appeler les opérateurs propres de McDonald's parce que leurs fonctions propres sont les fonctions de McDonald's. Alors, eigenoperator en anglais. Alors, les opérateurs propres de McDonald's, c'est tout simple, c'est ceux pour lesquels les polynômes de McDonald's sont des fonctions propres. Et je vais vous en décrire certains particuliers qui sont rattachés à un partage mu. Alors, les fonctions, les polynômes de McDonald's forment une base de l'anneau des polynômes. Alors, ils sont indexés par les partages. Alors, je vais dessiner un partage comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait les polynômes de Schur. Alors, sur la première ligne, le nombre de cases sur la première ligne, c'est la première part de mu. Le nombre de cases sur la deuxième, c'est la deuxième part de mu, et ainsi de suite. Puis ensuite, dans cette représentation-là, il y a des cases. Et pour chaque case, je vais donner les coordonnées de la case au sens cartésien classique. Les coordonnées d'une case, c'est la coordonnée du point qui est ici dans la case, la distance par rapport à la verticale et l'horizontale. Et puis, les opérateurs que je vais considérer ont comme... polynômes ou fonctions propres, les polynômes de McDonald's, et leurs valeurs propres sont des fonctions de ces cases. Alors, pour chaque mu, il y a une fonction. Alors, je vais fixer une fonction particulière, et puis je vais faire un opérateur avec cette fonction, et puis pour chaque partage mu, la fonction propre de H mu, c'est la fonction évaluée dans les monomes QI, TJ. Alors, vous allez me dire, mais quelle fonction? En général, je vais prendre des fonctions symétriques. Mais les variables vont être remplacées par les QI, TJ. Alors, un exemple, ou deux exemples, c'est de faire la somme des QI, TJ. Ça, c'est essentiellement retraduit l'opérateur que McDonald a introduit au tout début, quand il étudiait les opérateurs de McDonald. Et il y a une description qui est indépendante de ce que je fais là. Et si on prend la description indépendante, on a une définition des polynômes de McDonald parce que ses valeurs propres sont toutes distinctes. Alors, les polynômes de McDonald sont caractérisés par ce qui est encadré. Mais il faudrait que je connaisse l'opérateur delta indépendamment. Je vais vous dire dans un instant comment ça marche. Et il y en a un autre qui est important, c'est celui dans lequel je fais le produit de toutes les QITJ pour les cases. Alors ça, c'est un opérateur que j'ai introduit il y a plusieurs années et qui permet de faire des trucs intéressants liés à la théorie de la représentation. Alors je vous montre, par exemple, ces opérateurs-là, l'opérateur Nabla, donc qui prend les polynômes de McDonald's et élève à des puissances, fait le produit des QITJ. Quand on l'applique à 1, ça fait S1. Quand on l'applique à E2, ça fait S2 plus Q plus T, S1. Et quand on l'applique à E3, ça fait cette expression-là. Et pour ceux qui connaissent les nombres de Catalan, le troisième nombre de Catalan, c'est 5. Alors ici, si je mets Q égale T égale 1, j'obtiens 5. Et puis, si je fais le prochain, ce serait 14. Alors, la raison pour laquelle on a introduit l'opérateur de Nabla, c'est pour expliquer ces formules-là qu'on avait d'autre part, qui étaient dans l'histoire de... On essayait de comprendre les propriétés des polynômes de McDonald's, au sens général. Alors, je mentionnais 14 il y a un instant. Ça, c'est le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termes. Et
Maintenant, vous ne savez toujours pas c'est quoi les polynômes de McDonald's. Et ces opérateurs-là sont utilisés, définis en termes des polynômes de McDonald's. Je vous dis quand même un autre truc à ce propos-là. Quand on prend un nabla de n et on fait le produit scalaire avec P1 à la n, on obtient, dans ce cas-ci, ça devrait être pour 4. Et c'est 16, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, pas 16. En tout cas, non, 125. Ici. Alors, 125, c'est 5 exposant 3. Alors, il y a des trucs fascinants, il y a toute une histoire extraordinaire derrière ça, mais c'est un peu caché. Alors, mais je vais vous le dire un peu plus tout à l'heure. Alors, oui, il faut que j'accélère. Hein. Jusqu'à quand j'ai? En principe. Bon, je vais essayer de... Non, mais on pourra faire une pause. Ouais. Alors, là, ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'il y a moyen de décrire l'opérateur de McDonald's sans savoir d'avance quels sont les polynômes de McDonald's. Alors, pour faire ça, on introduit une famille d'opérateurs D, les opérateurs DJ, qui ont des index négatifs et positifs. Les négatifs vont diminuer le degré, les positifs vont augmenter le degré, 0 va laisser le degré tel quel. Et alors, pour le décrire, je vais calculer cet opérateur-là sur une expression qui est une fonction symétrique. Eh bien, j'utilise le pléthisme. Mais un pléthisme assez simple, je prends la fonction symétrique et puis je laisse la variable x, la variable grand X, c'est la somme des variables, hein. C'est comme ça. Grand X, c'est pour la somme des variables. Et puis, je rajoute cette expression 1 moins Q, 1 moins T sur Z. Alors, je prends, ça, c'est le pléthisme. Je fais ce pléthisme-là et je multiplie par cette expression-là, où ça, c'est les fonctions symétriques élémentaires. Alors, en gros, le mécanisme qui se passe ici, c'est que je veux introduire dans l'expression F, remplacer certains morceaux, si vous voulez, par des fonctions symétriques élémentaires. Et DJ correspond à, une fois qu'on a fait tout ce calcul-là, à regarder quel est le coefficient dans ça de Z exposant J. Alors, il n'y aura plus de Z à la fin quand on va appliquer DJ, parce qu'on va prendre un coefficient. Par exemple, des zéros correspondraient à faire ce produit-là, puis à la fin, regardez quel est le terme constant. Alors, il va avoir ce Z va être monté à une certaine puissance, parce que je fais un pléthisme ici, puis ici, il y a d'autres Z, et ces Z-là doivent se canceller. Juste pour, parce qu'en physique, ça, on appelle ça un opérateur de vertex. Oui, exactement. Oui, voilà. Alors, et nous aussi, on appelle ça les opérateurs vertex. Alors, D0, eh bien, à un petit changement près, ben, c'est le delta de McDonald's. Alors, vous avez vu D0 comme elle était décrite, et je ne parlais pas de polynôme de McDonald's. Donc là, j'ai qu'à réécrire delta en termes de D0, et puis, les fonctions de McDonald's sont quoi? Ben, c'est les fonctions propres pour D0, parce que ici, c'est juste un changement simple. Donc, si j'ai une fonction propre pour delta, j'ai une fonction propre pour D0. Et puis, les valeurs propres, je les connais explicitement. Ça a été donné tout à l'heure. Donc, après, ben, ça caractérise les polynômes de McDonald's. Alors, c'est un des opérateurs propres de McDonald's. Mais pas dans la base. Oui, dans la base des H. Ah oui. Oui, exactement. Alors là, tout ça, ben, ça nous amène à l'algèbre de Hall elliptique. Alors, qu'est-ce que c'est l'algèbre de Hall elliptique? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple. Vous prenez dans l'algèbre de Hall elliptique les opérateurs de McDonald's, les opérateurs propres de McDonald's. On les met tous. Et puis, on met d'autres opérateurs qui est la multiplication par une fonction symétrique.
Et puis on met aussi les adjoints. Ça, c'est dans la partie négative. Et puis, dans les opérateurs propres de McDonald's, il y avait des parties positives, négatives. Dans les multiplications par les fonctions symétriques et leur adjoint, il y a une fraction positive, négative. Et puis, on prend tout ce qu'on peut obtenir avec ça. En gros, c'est ça l'algèbre elliptique. Alors, elle est introduite abstraitement avec des relations, hein, des générateurs relations abstraitement avec des propriétés par Burban, Schiffman et Vassoro. Schiffman, c'est un de vos voisins ici, à Orsay. Vassoro est à Diderot. Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en considère une réalisation concrète en termes d'opérateur, une réalisation fidèle avec les bonnes propriétés. Et on considère l'algèbre de l'elliptique comme un mécanisme pour nous permettre d'avoir des opérateurs sur les fonctions symétriques. Et qu'est-ce que ces opérateurs vont faire? Ils vont prendre une composante homogène d'un degré donné et puis construire des fonctions symétriques pour lesquelles le degré va être augmenté selon l'indice de l'opérateur. Alors, chaque opérateur va avoir deux indices. Le deuxième indice nous dit comment on augmente le degré, ou si n est négatif, comment on diminue le degré. Et puis, le premier indice, c'est une espèce de degré fictice, mais qui est lié à qu'est-ce qui se passe du côté des fonctions propres de McDonald's. Alors, ces opérateurs permettent de construire une belle base. En fait, je vais avoir des opérateurs spécifiques. Je vais construire une jolie base de l'algèbre de Hall elliptique, et puis je vais m'intéresser seulement à la partie positive. La partie négative est magnifique, mais trop, c'est trop. Et puis déjà, j'en ai trop, hein? Comment est-ce que ces opérateurs sont définis? Q1-0, c'est l'opérateur de McDonald's des zéros, qu'on a vu tout à l'heure. Q0-1, c'est la multiplication par E1, ou P1, ou S1, ou H1, ou M1, parce que c'est toute la même chose. Alors, on part de Q1-0 et Q0-1, et puis tout le reste est obtenu par crochet de lit, le crochet classique. Tout le reste est défini récursivement. Si vous me donnez MN, ben, je vais faire le crochet de AB puis de CD, QAB et de QCD, avec une division par 1 moins T, 1 moins Q. On peut peut-être penser à ça comme une espèce de calcul de différence divisée. Alors, ça fait quelque chose d'intéressant. Puis maintenant, comment est-ce que AB et CD sont reliés à MN? Bien, MN sont deux entiers positifs. Alors, j'écris MN comme une somme vectorielle de AB plus CD. A et B aussi sont des entiers positifs. Et je demande que le déterminant de ABCD soit le plus grand commun diviseur de M et de N. Alors, quand on prend M et N relativement premiers entre eux, il y a une et une seule solution à cette équation-là. C'est géométriquement, c'est assez facile. Et en général, il y a le nombre de solutions de ce système-là, c'est égal au plus grand commun diviseur. Et toutes les solutions sont équivalentes. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quelle solution vous prenez. Vous allez toujours calculer le même opérateur. Alors, par exemple, Q4-3 va vous donner une expression de ce genre-là. Ou Q1, c'est la multiplication. J'aurais dû mettre E1, là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Q4-3, c'est ce crochet-là. Et puis, on peut calculer. Et une des choses surprenantes qui se produit, c'est qu'on a des opérateurs comme ça, mais quand leur indice est un vecteur de longueur 2, quand les indices sont collinéaires, les opérateurs commutent. Alors, ça ne marche pas en général, hein, ils ne commutent pas en général, mais quand ils sont collinéaires, ils commutent. Alors, à cause de ça, je pourrais définir QAB fois mu, mu c'est un partage,
je prends chacun des vecteurs, le vecteur AB, je multiplie par chacune des parts, ça fait QA mu 1, B mu 1, A mu 2, B mu 2, etc. Et puis je compose les opérateurs. Et l'ordre dans lequel je fais cette composition n'a pas d'importance parce que tous les vecteurs sont collinéaires. Alors, avec ça, on va faire les opérateurs de création qui nous intéressent. Alors, on va donner les ingrédients pour construire les opérateurs de création sont les suivants. Vous me donnez une fonction symétrique de degré d et vous me donnez deux nombres relativement premiers entre eux. Alors, et puis, vous allez construire avec ça un opérateur de création. Pour chaque fois que vous avez une fonction symétrique et AB, vous obtenez un opérateur de création. Et l'opérateur est une combinaison linéaire des opérateurs Q, qu'on a calculé récursivement tout à l'heure avec des crochets de lit. Et tout ça, ça s'exprime, hein, c'est combinaison linéaire de produits dans un certain ordre, de D0 avec 1, des mots en D0 à 1. Et les coefficients f mu, eh bien, ils vont venir de la fonction symétrique f. Alors, les coefficients vont être des fractions rationnelles en qt. Donc, la fonction symétrique fdx, qui est l'ingrédient qui est ici, eh bien, va sert essentiellement juste à déterminer les coefficients qui sont là. Et les coefficients qui sont là disent, ben, prenez la fonction symétrique fd, et développez-la dans une base, une nouvelle base des fonctions symétriques que je vais vous montrer à l'instant. Et cette base, il y a des QT dedans. Alors ici, il faudrait qu'il y ait des QT aussi. On prend ces nombres, ces polynômes ou ces fractions rationnelles, on les met là, et ça donne la définition de l'opérateur. Alors là, ça c'est beaucoup de trucs à avaler, mais... c'est très mécanique. Alors, les polynômes pi d sont une somme de fonctions de Schur avec des coefficients. Alors ici, les fonctions de Schur que je considère, en fait, c'est ce qu'on appelle des équerres. Donc, ils sont tous, les formes sont tous de ce genre-là. Il y a une grande part et puis un paquet de 1. Et puis, le coefficient, ben, c'est moins 1 exposant le nombre de cases qui se trouvent ici. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai enlevé la première. Alors, ça fait D moins 1 si la première part était de taille D. Et puis, je fais moins 1 sur QT, comme ça. Alors, ça, c'est les pi D. Et puis, ben, pi mu, on fait multiplicativement comme avant. Alors, et quand on met, de n'importe quelle façon que vous voulez, vous choisissez Q et T de façon à ce que leur produit donne 1, eh bien, vous faites ça là-dedans, ben, là, il faut savoir un peu, mais ça, c'est essentiellement le développement dans la base des polynômes de Schur des sommes de puissance. Alors, l'observation qui est en bas prouve que pi mu est une base. Et une fois qu'on a une base, ben on peut faire comme on l'avait fait sur le transparent précédent. On peut construire. Vous me donnez n'importe quelle fonction symétrique ici, je peux l'écrire dans cette base. Ici, il y avait des QT. Donc là, il y aura des QT. Voilà. Alors ça, c'est notre mécanisme pour produire des opérateurs de création. Et puis, à la fin de l'histoire, ben on fait comme... Souvent, on applique ça à 1. On part du vide. Et on obtient comme ça des fonctions symétriques fascinantes. Et ces fonctions fascinantes jouent un rôle. Donc, le mécanisme que j'ai décrit ici, c'est vous me donnez une fonction symétrique et je construis une nouvelle fonction symétrique. Opérateur de création, blablabla. Et le but de l'algèbre de Hall elliptique, c'est de permettre ce mécanisme. Et puis, alors ce qui se passe, c'est que quand on prend des jolies fonctions symétriques ici, ça fait des trucs qui sont toujours positifs. Là. Mais pourquoi on veut ça?
c'est parce qu'ils permettent de décrire, de donner des formules. C'est le seul mécanisme qu'on connaît pour obtenir des formules intéressantes liées à la combinatoire rectangulaire. Et puis là, j'ai tellement parlé que j'arrive à la combinatoire rectangulaire, puis vous me dites, oh non, on est parti pour une autre histoire. Et alors, donc je saute ça, c'est un truc amusant. Je vais le faire. Et tout ça, ces opérateurs sont liés à l'histoire, aux propriétés des polynômes de McDonald's à cause de plein de propriétés que je vais sauter parce que c'est trop long, mon truc. Alors, toute la théorie de McDonald's, pour que je puisse arriver un petit peu, vous dire quelques mots sur la combinatoire rectangulaire. Alors, parce que sinon, vous allez dire, on a fait à peine la moitié de sa conférence. Alors, le début de la combinatoire rectangulaire, vous allez voir, là, c'est reposant, c'est un bon truc avant le repas. Ça commence par, en gros, cet article-là, dont ceci est le titre. OK, et le titre, vraiment, si on le lit, ça raconte tout ce qu'il y a dans l'article. C'est abstract. Et puis, personne ne connaissait ça parce que ça a été publié en 1950. Même si ça a été publié en 1954, beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ça a été publié dans le Journal of the Institute of Actuaries of the London Actuary Society. Alors, moi, je lis... Bon, je ne connais pas beaucoup de gens qui lisent des trucs comme ça. Alors, ça, c'est M. Beasley. Et qu'est-ce qu'il faisait, M. Beasley? Il considérait des rectangles comme ça, M, A, B, M par N. Alors, A et B sont premiers entre eux, et D fait le plus grand commun diviseur. Et puis, donc, c'est ce que j'ai écrit à droite. Puis, on regarde une diagonale comme ça, dans le rectangle. Et puis, on considère tous les chemins qui sont dans le réseau. Où on va vers le sud ou vers la droite. On part d'en haut, on descend, on fait des pas sud ou droit ou est, puis on va jusqu'en bas, puis en restant sous la diagonale. Alors, ce qu'il faisait, M. Beasley, c'est calculer combien il y a de chemins comme ça. Alors, ça, c'est des chemins de MNDIC et DAB, BD, c'est l'ensemble de tous ces chemins pour M et N fixés. Et puis, on aimerait savoir combien il y en a. Alors, mais peut-être aussi même d'une façon un peu plus fine, on aimerait les compter selon l'air. Alors, l'air, c'est le nombre de petits carrés qui se trouvent entre le chemin et la diagonale, complètement compris entre les deux. Alors, on veut les compter de façon plus fine. On veut aussi faire des constructions sur ces fonctions-là, sur ces chemins. Une construction, c'est de considérer le truc suivant. Pour chaque pas sud, vous ajoutez une petite case à droite, et puis vous considérez toutes les façons de remplir ces petites cases par le nombre de 1 à n. Il y a n cas, n étant le nombre de lignes là-dedans. Le nombre de 1 à n, de façon à ce que dans des cases qui sont l'une au-dessus de l'autre, les valeurs aillent croissantes. Alors ça, on appelle ça des fonctions parking. Et pour les fonctions parking, on ajoute une nouvelle notion de... Tout à l'heure, il y avait l'air. Là, on ajoute une nouvelle notion qu'on appelle les inversions diagonales. Je vais pas les décrire complètement, mais on considère des situations où les nombres, selon des diagonales, la diagonale étant une droite parallèle à la diagonale qu'on avait comme ça. Alors, sur les diagonales, on considère des situations où les nombres sont dans le mauvais ordre. Et puis, bon. Alors là, ça c'est la combinatoire, et cette combinatoire-là est derrière les formules qu'on avait tout à l'heure. Alors, Beasley, qu'est-ce qu'il y avait dans son article? C'était une formule pour compter le nombre de chemins. Le nombre de chemins. J'aurais dû mettre cardinal ici. Bon. Alors, je vais compter le nombre de chemins AB. Alors, la formule, il y a une formule pour chaque paire AB. C'est une fonction génératrice à gauche et à droite. Alors, ça, c'est la façon peut-être la plus simple, sans introduire des notations
exceptionnel de dire, ben, si vous voulez calculer le nombre qui est ici, c'est le coefficient de z exposant d dans cette expression-là. Et ça, c'est le binomial classique. Alors ça, c'est la formule de Beasley. Maintenant, quand moi j'ai lu l'article pour la première fois, j'ai mis mes lunettes fonction symétrique. Ça, c'est mes lunettes fonction symétrique. C'est un peu steampunk, hein, les fonctions symétriques. Et puis, j'ai vu cette formule-là, qu'on pourrait écrire avec le plétisme. Alors là, c'est coefficient par coefficient. Et ça, c'est les fonctions de Schur en plus général, qu'on appelle les fonctions de Schur gauche. Alors, mais c'est la même formule et la même preuve, en passant. Mais quand on met des lunettes fonctions symétriques, on voit des choses fabuleuses. C'est vraiment, pour les 68 heures, hein, c'est comme prendre une petite pilule et puis regarder le monde. Voilà. Alors, en particulier, quand je mettais des nombres qui tombaient, le puits de nombres tout à l'heure, eh bien, ça, c'était les fonctions parking. Le nombre de fonctions parking est donné par cette formule-là, qui est une autre façon d'écrire encore qu'est-ce que j'avais dans mon histoire. Et là, je vais essayer de terminer rapidement. Alors, pourquoi les fonctions symétriques avec l'algèbre de Hall elliptique dans tout ça? Bien, parce qu'on veut compter ces machins-là, mais avec l'air et le DINV. Alors là, il n'y a pas de formule simple. Et puis, la seule technologie qu'on connaît pour faire le calcul avec l'air et le DINV, eh bien, c'est de travailler avec les algèbres de Hall elliptique. Et la fonction symétrique que je mets pour construire mes opérateurs de création, c'est la fonction symétrique élémentaire, ED. Alors, je mets ED dans le mécanisme que je vous ai décrit tout à l'heure. J'obtiens une nouvelle fonction symétrique avec ça. Et cette fonction symétrique, eh bien, c'est la somme pour T exposant l'air, la somme pour toutes les fonctions parking de Q exposant DIN fois un monôme. Et le monôme, c'est remplacer toutes les nombres que vous aviez dans les fonctions parking par des variables. Je triche un peu, là, mais parce que je n'ai pas tout dit, mais c'est à peu près ça. Alors, on a comme ça. Et puis, dernier transparent, juste au cas où vous étiez désespéré. Ce qu'il me resterait à vous raconter, c'est pourquoi tout ça, c'est vraiment fascinant. Parce que là, c'est intéressant, mais c'est pas encore fascinant. Alors, l'aspect fascinant, c'est du point de vue de la théorie de la représentation, de la théorie des nœuds, des machins comme ça, c'est E, D, A, B, X, Q, T, on les développe dans les fonctions de Schur. Dans les fonctions de Schur, les coefficients sont des polynômes à coefficients entiers positifs. Et ils calculent quelque chose d'intéressant, ils décomposent en caractères irréductibles la description d'un caractère général. Alors, et puis, et ce qui m'intéresse dernièrement, depuis quelques années, pas moins, mais qui est vraiment, sur lequel je travaille récemment, c'est comment généraliser ça, mais avec pas juste QT, mais Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, etc. Alors, je sais faire ça parce que je sais faire ça. Et puis, quand je fais ça, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive quelque chose de fascinant quand on met plusieurs paramètres dans ces expressions-là, ça nous permet d'écrire quelque chose qui serait dans le monde des bosons. Et puis, quand on fait une transformation très naturelle sur les expressions qu'on comprend ici, bien, ça nous donne les expressions pour les fermions. Mais le lien entre les deux est incompréhensible quand on reste seulement avec deux paramètres. Alors, j'arrive à faire le lien, mais là, tout ça, ça reste à raconter. Et puis, ça suffit. Voilà, ça, c'est la fin. Et puis, si vous voulez en savoir plus, peut-être sur les polynômes de McDonald's, il y a ce bouquin de Jim Haglund. Et sur l'aspect théorie de la représentation liée à la théorie des polynômes de McDonald's, il y a mon bouquin qui est là. Merci.
Trop tard. On pour le déjeuner. Oui, oui, c'est ça. Désolé, mon enthousiasme usuel. J'avais même coupé, hein, parce que. Mais je suis content de m'être rendu là, parce que j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, et puis d'habitude, ça me prend plusieurs exposés. Alors là, j'ai. La fin, là, c'était un peu contracté. Ah, ben oui, mais ça, c'est... Voilà. Bien. Il faudra revenir alors. Bon. Merci en tout cas. De rien. Alors, je ferme ça.